de 94 in harmonie, présenté par Xavier Librecht, par Mathieu Dalleux, pour le compte de Xavier Librecht. In harmonie est une fille de raconteur. Alors, on retrouve le raconteur. Tout à l'heure, on avait raconteuse qui était déjà une raconteur de chez Xavier Librecht. Elle est née le 26 mai. Donc, raconteur, je le resitue en deux mots, 4 places en plat. Lui, il a tout fait, raconteur. Il a fait 4 places en plat, ensuite 2 victoires en obstacle et 2 victoires en endurance, voyez-vous. Et Harmonie, elle a fait du pas d'obstacle, pas d'endurance, la mère, mais par contre, Harmonie, elle a gagné le prix Piacy-Près, qui est une épreuve très importante pour les AQPS à Hauteuil. Et alors, ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que Harmonie était anglo de complément à 6,25%. Donc, en fait, elle était passée dans le giron, dans les AQPS, mais elle restant quand même anglo complément, de complément. Donc, gardant ses 6%. Et en ayant été croisé avec Raconteur, eh bien, on fait un petit mix et on sort un poulain qui, lui, est à 15%, donc il revient, une pouliche, pardon, inharmonie, qui revient dans le giron de l'anglo-arabie. Voilà, c'est la magie de l'anglo-arabie. On peut aller dans un sens, mais aussi aller dans l'autre, on a le choix. En avant, en arrière et en avant. Voilà. L'harmonie qui a déjà fait deux gagnants, Valina, c'est Bestwork. Bestwork est un vrai bon cheval, hein. Il monte 6 courses en Angleterre, notamment vainqueur à Epsom. Ah, parce que c'est vraiment à Kelton. Pouliche racée, presque noire. Elle est déclarée noire d'ailleurs sur le catalogue. In Harmonie, le 94, conclut cette présentation du Grand Show Anglo 2020 de la TESC, présenté par Xavier Librecht.